Bonjour à tous, voici votre horoscope pour cette pleine lune du 28 mars, et qui est assez agréable, je vous, je vous le dis tout de suite. Euh, donc, euh, vous nous rejoignez en likant la vidéo, en vous abonnant, ou alors vous pouvez aussi euh, cliquer sur le bouton rejoindre parce que, alors vous ferez euh, partie de notre communauté, vous aurez droit des privilèges alors ensuite vous avez nos réseaux sociaux comme d'habitude le live du mardi soir euh, 21h et les consultations au téléphone avec zoé ou avec moi le mensuel hein, du mois d'avril est en ligne et si vous voulez tester vos compatibilités astrales avec euh, votre chérie vos amis votre boss euh, que sais-je eh bien vous allez sur 12.love slash astro euh, vous pourrez savoir exactement ce qu'il en est bélier ascendant bélier dans cet horoscope de la pleine lune eh bien c'est votre pleine lune hein, puisque le soleil occupe votre signe et se trouve face à la lune en balance. Et, must, le must c'est que le Soleil est conjoint à Vénus, il va le rester tout le temps où il sera dans votre signe. Donc c'est du plaisir hein, pour vous, c'est du plaisir, c'est euh, peut-être euh, une rencontre amoureuse, qui sait euh, y a, y a, C'est très curieux parce que donc le, le Soleil en bélier est chez lui, il est très fort hein, dans votre signe, et euh, bah, la Lune en balance, elle valorise Vénus, hein, puisqu'elle est claire le signe de la balance qui est géré par Vénus, et Vénus donc se trouve à côté du soleil. Donc, certainement que sur le plan euh, euh, des plaisirs hein, que nous promet toujours Vénus, il peut se passer quelque chose de sympathique. Hein. Euh, en outre, euh, bon, évidemment, vous pouvez tomber amoureux hein, hein, sous cette conjoncture, et le bélier est toujours un petit peu prompt à à tomber amoureux, il a des élans, hein il est euh, enthousiaste. Euh, vous pourriez être enthousiaste euh, sur l'amour. Quoique, bon, le Soleil, Vénus, la Lune, tout ça, euh, est en bon aspect avec Saturne. Donc Saturne, vous savez, il sert toujours de régulateur. Hein Donc peut-être que vos enthousiasmes seront contrôlés, ou alors, on peut aussi imaginer, que vous avez, si vous êtes célibataire, bah, que vous allez trouver... Euh, du plaisir et un équilibre, hein, finalement, dans votre célibat. Taureau et ascendant taureau, dans l'horoscope de cette euh, pleine lune, euh, nous avons donc euh, une opposition hein, entre le soleil en bélier et la lune en balance. Bon, ce ne sont pas des secteurs très forts hein, de votre thème, mais la conjoncture en elle-même est assez forte. Donc il est très possible que, euh, bon, euh, le travail, vos occupations quotidiennes, le, le, la santé, l'hygiène de vie, votre hygiène alimentaire, enfin, tout ça soit au premier plan avec cette pleine lune parce que peut-être que vous allez vous décider, surtout que c'est une pleine lune quand même qui porte à décider, euh, de vous prendre en main, d'être un petit peu plus... Euh, euh, soignant avec vous-même ou soigneux euh, et, et, et que bon vous allez chercher euh, évidemment euh, de, en faisant ça à séduire davantage bon le taureau il aime plaire hein, c'est sûr il aime tout ce qui est euh, euh, tout ce qui est en rapport avec l'amour, avec la sensualité. Euh. Et bon, je pense qu'il faut préparer le terrain hein, pour l'arrivée des planètes dans votre signe. Et euh, cette euh, pleine lune vous incite justement à vous préparer euh, à peut-être séduire quelqu'un ou à, à vous trouver vous-même séduisant. C'est tout aussi important. Hein. Il, il faut être en bonne... Euh, en, en bonne relation avec soi-même pour pouvoir plaire aux autres et trouver chaussure à son pied. Gémeaux et ascendant Gémeaux, une jolie pleine lune pour vous. Hein. Elle occupe le Bélier, enfin le Soleil occupe le Bélier et il est conjoint à Vénus, hein, planète d'amour et de plaisir, euh, alors que la lune se trouve en Balance, dans un signe très créatif, artistique, etc. Donc vous avez euh, bon plusieurs choix euh, qui s'offrent à vous, de la diversité, de la variété hein, dans vos euh, dans, dans vos journées euh, autour de cette pleine lune, hein, ça va pas durer euh, dure une semaine à peu près. Hein. Donc euh, des projets, certainement aussi euh, des ouvertures qui peuvent se faire et qui vous feront très plaisir, puisque évidemment le Soleil et Vénus, hein, c'est quand même une configuration qui euh, procure du plaisir, de la joie. Alors euh, bon, euh, certainement que vous aviez euh, depuis longtemps un projet, un espoir, quelque chose dans votre tête, euh, et que vous allez pouvoir euh, le concrétiser. Hein. Maintenant, avec la Lune en balance, ça met euh, quand même l'accent aussi sur vos créations. Hein. Donc, euh, peut-être que vous allez pouvoir, euh, euh, si vous êtes artiste, par exemple, exposer euh, l'une de vos créations, ou si vous êtes acteur, comme souvent les Gémeaux, euh, bah, on va pouvoir voir un de vos films. Ou alors si vous êtes journaliste comme beaucoup d'autres Gémeaux, eh bien on va euh, vous féliciter pour quelque chose, une enquête que vous avez faite, euh, euh, ou euh, parce que vous aurez des opinions euh, euh, un petit, assez originales. Hein, euh, euh, vous chercherez euh, de toute façon avec cette pleine lune à vous démarquer des autres d'une manière ou d'une autre. cancer et ascendant cancer, dans l'horoscope de cette pleine lune, ben nous avons du bélier et de la balance, hein du bélier avec le Soleil conjoint à Vénus, et vous savez que c'est votre secteur de carrière, et de la balance avec la Lune, évidemment, qui s'oppose au Soleil, depuis la balance, qui est votre secteur d'intimité. Alors, la planète de l'intimité, la Lune, dans votre secteur d'intimité, ça met quand même l'accent hein, sur votre vie familiale, sur la maison, etc. Euh, versus euh, donc le Soleil et Vénus en Bélier qui pourrait indiquer que bah, vous êtes content de votre travail, que vous avez envie de travailler, que c'est un plaisir, euh, ou que vous avez envie de réussir surtout. Hein. il y a une notion de réussite dans le, dans le Bélier euh, pour vous, hein, les Cancers. Euh, donc il est très possible que vous réussissiez quelque chose, et que, bon, euh, en famille, on, on vous reproche euh, bon, d'être un peu moins euh, présent. C'est très possible. Ou alors, vous allez euh, avoir davantage envie euh, d'être en famille, euh, d'être chez vous, de faire des petits travaux, des choses comme ça, et euh, bah, ça plaira euh, à votre chérie, parce que, euh, bon, euh, le, le bélier peut également représenter votre conjoint. En tout cas, si vous êtes une femme. Hein. Donc, euh, bon, alors, on, on, on sait que, euh, euh, si vous voulez, le Soleil, euh, je ne dis pas qu'il l'emporte sur la Lune, mais il est très fort en hein, bélier. Hein. Donc, je me demande, je me pose la question, est-ce que, euh, et vous-même, vous vous poserez peut-être la question aussi, hein, est-ce que le travail n'est pas plus important pour vous euh, en ce moment et, et, et les succès que vous pouvez obtenir, hein, je pense que ça a quand même beaucoup plus de valeur pour vous en ce moment. Lion et ascendant Lion dans l'horoscope de cette pleine lune, je pense que vous allez être satisfait. Hein, euh, de la même manière que la précédente nouvelle lune était plutôt favorable, et eh bien cette euh, pleine lune l'est également pour vous. Euh, alors c'est le premier des camps cette fois qui est concerné. Hein. Euh, la nouvelle lune, c'était le troisième. Là, la pleine lune, c'est le premier des camps. Et il se trouve que le Soleil, euh, donc puisque euh, la pleine lune, c'est l'opposition hein, du, du Soleil et de la Lune, euh, le Soleil étant en bélier et la Lune en balance. Mais il y a un truc un petit peu spécial cette année, c'est que le Soleil est conjoint à Vénus, et ça fait euh, déjà depuis les poissons hein, qu'il est conjoint à Vénus. Or et la Lune se trouve chez Vénus en Balance, donc ça met fortement l'accent euh, bah, sur Vénus, euh, tout ça. Bien que en Bélier, elle n'est pas euh, pas très forte, elle est même euh, parfois un peu dévalorisée. Mais bon, je pense quand même qu'il va y avoir du plaisir et du plaisir dans quoi Dans le fait que vous allez euh, pouvoir euh, avoir de l'air, hein, respirer. Euh, avoir de l'espace, euh, une liberté peut-être euh, que vous n'avez pas eu depuis longtemps, vous allez pouvoir élargir hein, votre champ d'action, euh, euh, élargir votre clientèle si on prend la Lune en 3, euh, enfin dans, un, dans votre secteur 3 euh, personnel. Euh, bref, euh, je veux dire, y a, y, on, on a l'impression vraiment qu'avec euh, cette pleine Lune, il y a des ouvertures qui se font. Autant euh, sur le plan concret euh, que aussi dans votre manière de, de penser les choses et de les envisager pour la suite des événements. Vierge et ascendant vierge, dans cette pleine lune, euh, eh bien, on retrouve euh, le soleil en bélier, hein, opposé à la lune en balance. Bon, c'est un petit peu normal, on vient de rentrer en période bélier. Euh, ce qui est bien, c'est que le Soleil est conjoint à Vénus. Donc ça a un côté quand même plaisant. Hein euh, bon, alors il est opposé à la Lune qui est en balance, euh, ce qui est aussi très plaisant. Elle est très bien en balance, la Lune. Et ça pourrait parler d'argent, hein disons, euh, euh, d'acquisition euh, en ce qui concerne la Lune. Alors, bon, euh, avec la Lune, c'est l'imaginaire, souvent. Donc je pense que vous allez d'abord... Euh, y penser. Hein euh, euh, y réfléchir. Et puis, euh, avec le soleil et Vénus euh, en, en, en secteur 8, eh bien, il y a le, 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 le côté on est productif, on, on gagne de l'argent, il euh, y a un dédommagement peut-être, hein vous pouvez recevoir un dédommagement, c'est pas exclu. Euh, mais bon. Euh, il y a aussi la notion d'achat avec euh, la lune dans votre secteur 2 et de vente avec euh, le soleil en secteur 8. Et comme le soleil est conjoint à Vénus, moi je me dis que si vous avez quelque chose à vendre, eh bien ça va bien se passer. Vous allez pouvoir euh, faire une bonne négociation et euh, voilà, toucher euh, un petit peu plus tard certainement euh, la somme que vous pensiez euh, toucher euh, au départ. En plus de ça, je pense que ce sera du sérieux dans la mesure où autant le Soleil que la Lune sont en bon aspect avec Saturne. Donc, euh, ce ne sera pas remis en question. Balance et ascendant balance. Euh, dans cet euh, horoscope de la pleine Lune, vous êtes directement concerné puisque la Lune va se trouver dans votre signe. Hein. On est en période bélier, et vous le savez, c'est le signe qui s'oppose directement au vôtre. Alors, le soleil, donc, est en bélier et conjoint à Vénus, votre planète natale, enfin, votre planète euh, maîtresse plutôt, je veux dire, et la Lune est chez vous et valorise Vénus. Hein donc, euh, bon, Vénus est quand même euh, assez importante et sa conjonction au soleil met l'accent sur un partenariat. Hein Alors, ça peut être votre partenariat amoureux, affectif, hein, qui est en question, ou un partenariat professionnel qui tout d'un coup prend des allures extrêmement positives, où vous vous dites, ah ben, finalement j'ai eu raison, ou de prendre ce partenaire, ou de m'associer avec telle personne, ou d'accepter de, de, tel travail dans, dans une entreprise. Enfin bref, il y a quelque chose de l'ordre de la du couple, hein, de l'union, euh, du contrat, euh, de l'association, qui est extrêmement favorisé. Et cette fois, c'est pour le premier décan. Euh, si vous voulez, euh, c'est extrêmement encourageant parce que en plus, euh, euh, bon, déjà, c'est dans un signe courageux, hein, le Bélier. Euh, on entreprend, on va de l'avant. Hein, euh, mais euh, en plus, donc, euh, le Soleil et Vénus sont et la Lune aussi, sont en bon aspect avec Saturne. Donc tout ce que vous allez entreprendre sous cette conjoncture est susceptible de s'installer, euh, de durer et euh, de vous donner euh, la stabilité et l'harmonie à laquelle vous, vous aspirez et à laquelle aspirent toutes les balances. Hein. Scorpion et Ascendant Scorpion dans l'horoscope de cette pleine Lune. Euh, elle oppose le Soleil en bélier à la Lune en balance. Et le Soleil en bélier est conjoint à Vénus, ce qui est une très bonne chose. La Lune en balance est chez Vénus. Donc voilà, on a plusieurs fois Vénus euh, qui apparaît dans nos calculs. Et euh, bon, alors ça concerne en ce qui vous concerne, vous, Scorpion, des secteurs. Travail, santé, forme, vie quotidienne. Hein, la, la lune est en 12, donc euh, peut-être que euh, vous aurez beaucoup d'imagination. Le Soleil et Vénus sont en, en 6, qui est votre secteur du travail. Vous allez peut-être euh, démarrer quelque chose ou euh, mettre beaucoup de créativité dans ce que vous allez faire. Euh, le, le côté positif étant... Euh, Apporté par Vénus. Hein, euh, bon, c'est vrai que ça ne dure qu'une semaine hein, la, les effets de cette pleine lune, mais il est très possible que vous preniez une décision euh, pour votre travail, pour votre bien-être, pour votre santé, pour votre forme. Voyez pour tous ces domaines du Soleil et pour euh, ce qui est de la Lune aussi, c'est-à-dire votre créativité, votre imagination. Voilà, que vous preniez une décision qui va valoriser tout ça, ou vous permettre d'utiliser tout ça de manière positive, que ce soit dans votre travail, donc, ou dans votre vie intime, dans votre vie intérieure, où vous avez certainement besoin de, de spiritualité dans ce domaine. Sagittaire et Ascendant Sagittaire, dans l'horoscope de cette pleine lune, euh, nous avons évidemment le Soleil en bélier qui est conjoint à Vénus, très bonne nouvelle, et qui s'oppose à la Lune en balance euh, chez Vénus, donc, puisque Vénus est la planète maîtresse de la balance, euh, le tout étant en bon aspect, hein, la Lune occupe votre secteur 11, des espoirs, euh, des projets. Hein, euh, des coups de chance aussi et le soleil occupe votre secteur 5 qui est le secteur de, du plaisir de la réussite des bonnes choses de la vie euh, hein, euh, ça peut aussi englober euh, les plaisirs artistiques euh, le spectacle peut-être que vous allez aller vous allez pouvoir aller au spectacle, hein, ce n'est pas exclu. Et le Sagittaire adore tout ce qui est spectacle, tout ce qui est euh, festif hein, finalement. Donc moi je pense que vous serez content euh, de cette euh, pleine lune et, et c'est le votre premier décan qui est concerné. Alors déjà vous avez des bons aspects hein, depuis le début de l'année euh, et il faut savoir que, euh, donc, cette pleine lune, elle s'adresse à vous, euh, en particulier, et que les deux luminaires sont également en bon aspect avec Saturne. Donc, il y a quelque chose qui peut s'installer durablement, euh, qui peut vous apporter une stabilité, euh, vous voyez, une activité créative, ou alors, bon, peut-être que vous allez décider de euh de faire un enfant, par exemple. C'est aussi la maison 5 où se trouve le Soleil et Vénus, c'est aussi la maison qui gère les enfants. Les enfants réels, les enfants symboliques, bien sûr. Capricorne et Ascendant Capricorne, dans l'horoscope de cette pleine lune, alors ce sont des secteurs importants de votre zodiaque qui sont occupés. Euh, d'abord par le Soleil en Bélier, conjoint à Vénus hein, quand même. donc c'est plutôt positif. Et puis la Lune de l'autre côté en balance euh, aussi euh, un secteur très important puisque c'est votre secteur professionnel. Donc on voit euh, voilà, deux planètes, les deux luminaires qui s'opposent sur cet axe qui est à la fois donc de l'intime pour le Bélier euh, conjoint à Vénus, et du social avec la lune en balance. Alors peut-être que bon, vous allez rêver, imaginer hein, avec la lune que vous atteignez un objectif. Hein, c'est très possible. Et puis ça peut être très très concret. Vous pouvez en, en rêver, hein, parce qu'avec la lune, c'est jamais euh, du concret. Mais euh, vous avez quand même le soleil et euh, Vénus. Euh, qui sont dans un secteur où on dit, et la tradition dit, que c'est là que tout commence et que tout se termine aussi. Mais euh, je ne pense pas que vous allez terminer quelque chose, non. Vous êtes plutôt sur une pente ascendante, surtout que vous avez de bons aspects euh, d'uranus, hein. ça s'adresse au premier des camps, à la fin du premier des camps. Euh, et donc vous êtes plutôt sur une montée que sur une descente. Hein. Donc c'est le moment d'entreprendre, c'est le moment de construire, c'est le moment aussi euh, peut-être de, euh, je ne sais pas, de dire à, à ceux qui vous entourent, à la famille, euh, que vous les aimez, parce que vous, en tant que Capricorne, vous êtes plutôt... Trop réservé, hein donc on ne sait jamais hein, ce que vous pensez, ce que vous ressentez, et avec cette euh, conjonction Soleil-Vénus dans votre secteur 4, eh ben c'est le moment de mettre tout ça en lumière, hein, vos sentiments. Verseau et ascendant Verseau, alors cette pleine lune, cet horoscope de votre pleine lune, euh, euh, me semble, ma foi, euh, Très positif. Hein. Euh, nous avons le Soleil dans votre secteur 3 en Bélier et il est conjoint à Vénus, planète d'amour, de bien-être, de euh, bon, euh, de succès aussi. Hein. Et nous avons de l'autre côté, hein, puisque le Soleil s'oppose à la Lune, c'est la pleine Lune, euh, la Lune en Balance chez Vénus. Donc euh, tout ça est très chaleureux on peut dire et euh, s'adresse à euh, bon à vos clients, à, à vos proches, à vos confrères, euh, à vos frères et sœurs, euh, voilà, tout votre entourage peut baigner dans une sorte de d'ambiance euh, euh, que vous créerez. Hein. Vous serez à l'origine euh, probablement de cette ambiance euh, parce que vous serez content. <laughs> disons que euh, vous aurez euh, l'impression euh, euh, de pouvoir entreprendre, hein, avec euh, le soleil et Vénus en bélier. Le bélier, c'est le signe de l'entreprise, c'est là où tout démarre. Euh, euh, c'est, disons, euh, le bélier donne l'impulsion hein, à quelque chose. Et euh, donc, si vous êtes du premier des camps, que vous avez subi les outrages, d'uranus de saturne et eh bien euh, voilà vous êtes quasiment sorti d'affaire et euh, vous allez pouvoir de nouveau fonctionner tout à fait euh, normalement et poisson et ascendant poisson dans la pleine lune de ce mois de mars de cette fin mars et eh bien euh, elle, elle met en valeur évidemment le Bélier, le signe du mois. Hein. Le Bélier où eh ben, Vénus a suivi le Soleil, et elles, ils sont encore en conjonction, ce qui est plutôt de bon augure. Hein. Et ils s'opposent évidemment à la Lune, mais ça c'est le mécanisme de la pleine lune, c'est normal que les planètes s'opposent, enfin que les luminaires s'opposent, la Lune étant donc dans le signe opposé au Bélier, c'est-à-dire la Balance, et elle est chez Vénus. Donc vous voyez, ça met quand même euh, un petit peu, hein, ça pointe vers Vénus. Vénus, planète des plaisirs, planète euh, du, du succès, planète d'amour aussi. Hein. Alors il est possible que vous tombiez en amour pour quelqu'un. Hein, euh, et que, vous euh, voyez, le, le bélier, c'est le signe de la possession. Hein, mais euh, donc on peut penser, quand on tombe amoureux, bah, qu'on qu possède quelqu'un, hein, euh, ça reste évidemment euh, sujet à, à modulation, hein, mais bon, euh, on peut interpréter les choses comme ça, mais on peut aussi évidemment les interpréter sur le plan financier, avec bon cette conjonction Soleil-Vénus euh, qui va être dans votre secteur 2 et la Lune qui va être en secteur 8, hein, c'est Possession, des possessions. Peut-être vous allez acheter quelque chose. Hein, soleil en deux, conjoint à Vénus, possession. Hein, vous entrez en possession de quelque chose, pas forcément de quelqu'un donc. Euh, mais euh, avec la Lune en 8, bon, vous pouvez. Euh, je pense que vous serez très, comment dire, conciliant ce qui concerne les prix que euh, si vous avez à discuter d'un achat ou d'une vente. Hein, C'est possible qu'il y ait une vente aussi. Euh, bon, euh, que plus vous serez conciliant, hein, c'est ce que vous dit la Lune en balance, et plus vous aurez des chances que l'affaire soit dans le sac. On se dit à bientôt, hein, et si vous voulez, comme d'habitude, plus d'astrologie, vous allez sur le 3210, sur RTL.fr ou sur le site du Figaro TV Magazine.